Et nous sommes repartis, épisode 4, je crois. On va continuer notre petite aventure. Dans Resident Evil 4, remake. Je voudrais bien le lance-roquette. Alors, la dernière fois, on a découvert les bonus là qu'on peut avoir. C'est plutôt cool. Donc, on en a un épique. Où est-ce qu'on peut les voir? Déplacer, est-ce que vous pouvez confirmer? Bah, j'imagine que c'est que dans le le menu en fait. On a des trucs à faire, on doit chasser des vipères. On en a deux encore à faire, des requêtes. On a les vipères, on a les médailles à faire, donc ouais. Oui. Sinon, oui, pour les manettes. On a ça, donc on a... Change le coup critique avec attaque de mêlée, 20% en plus. Et on a ça, c'est vie restaurée par les œufs, 100%, ça c'est super bien. Et après, là on a revente de munitions en plus, mais ça on le mettra quand on doit faire de l'argent en revendant des munitions. Et après on a fréquence de bonus de création de munitions, pistolet plus important. Donc ça c'est cool. On a des bons trucs, on a des bons trucs. Alors... ça marche. Attends, il y a deux passages ou c'est moi qui... on a quoi? Là on a ça... Ça c'est quoi du coup? Ça doit être la suite. Je pense que c'est la suite. Alors c'est quoi là du coup en bas? Ça c'est petite clé. Ah j'entends, attends. Léon, arrête de souffler comme ça. Tu, honnêtement, t'es censé être super entraîné. Ah, il est là. Ok. Ouais, on va tirer avec le flingue. 3 sur 7, ça marche. Des objets. Oh, tu vas me dire que le bateau... C'est normalement dans le 4, il y a un passage avec le bateau sur la rivière. Et à moins d'avoir une très mauvaise mémoire, ce qui est fort possible, on a juste un passage en fait avec ça. Et c'est quand on combat en gros un boss. On combat sur l'eau avec, avec le bateau et tout ça. Donc là, tu vas me dire qu'ils ont fait genre à la God of War, où on va pouvoir se balader, je pense. Parce que là, il y a une caisse en plein dans l'eau. Si c'est ça, ça va être vachement bien. On a une sorte de monde semi-ouvert, en fait, libre, où on peut se déplacer où on veut. C'est vraiment, vraiment cool. Ils ont super bien fait. Je vais être honnête. Je dirais limite meilleur que le jeu original. C'est pas ça. C'est un des policiers, ça? Ouais. Enfin, c'est celui-là qu'on avait vu, ouais, qui était le premier. Putain. Pas celui qui a brûlé. Léon, tu devrais dézoomer avec, avec tes jumelles, parce que c'est un peu trop zoomé pour qu'on voit vraiment ce que c'était. Mais bon, ouais, c'est un gros poisson, quoi. Il y a des objets par terre. Enfin, par terre, je veux dire, il y a des caisses dans l'eau. Des obstacles, j'imagine. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Ouais, un bateau, je crois. Non, c'est une épave. Oh, regardez, vous avez vu, il y a une indication pour voir où aller. Vous voyez en haut? Hop là. Ça, c'est cool. Putain, c'est énorme. Et comme ma...
On y va, monsieur Léon. Alors, carburant pour le bateau. Nous avons rangé le carburant pour bateau avec celui des groupes électrogènes dans le bâtiment de traitement de la ferme piscicole. Piscicole. N'emportez que la quantité dont vous avez besoin. On va d'abord regarder en bas. Ah, il nous en faut d'autres. Il nous en faut au moins deux, j'imagine. Sur le côté et sur le centre. C'est un peu sombre, hein, des fois. C'est un peu abusé, quand même. Il faudrait bien pouvoir sortir la lampe torche, en fait, quand je veux, honnêtement. Ah non. Et là. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Oh, merde. Attends, couteau de cuisine, on va faire des carreaux. Je sais pas. Mince! Ah bah non, mais attendez. On commence à être blindé d'objets. Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour. Pour le mieux, en fait, ça serait de renvoyer genre le sniper ou le fusil à pompe, comme ça. Bon, j'imagine que du coup, il y a pas de carburant. Ils auraient pu faire le plein. Alors, je vais pas le faire parce que je vais pas pêcher. Parce que je me rappelle, si je dis pas de conneries, hein, dans l'original. Si vous commencez à pêcher dans juste devant le lac, je crois qu'il y a la créature qui vous attaque, qui vous bouffe. Donc, je vais pas le faire. Enfin, peut-être qu'ils l'ont pas remis, mais ça m'étonnerait qu'ils ne le mettent pas. Bonne ici. Ok, il y a une personne là. Marche. Du putain de merde. Fâche. Merde, c'est pas ma journée. C'est pas ta journée, hein. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? On peut le backstab ou pas? Oh là, il y a plein de monde partout. Bon, après on a des grenades, donc ça c'est cool. On en a trois. Black box.
Ok. On va le laisser là pour le moment. On va pas tuer l'autre. Bon, ça m'embête là. Faut qu'on backstab des gens là. Ce serait bien qu'ils puissent un tout petit peu sprinter. Genre, si vous avez joué à The Evil Within 2, y avait vraiment un truc très bien, c'est qu'on pouvait... avec des habilités à débloquer, évidemment. C'est sprinter pendant qu'on était accroupi, c'était vachement bien. J'espère qu'il n'y a personne derrière moi. Je sais pas si on peut le backstab. Mais... Oh oh oh. Oh yes! One shot! J'ai vu qu'il y avait une vipère et tout, il y a plein de trucs à faire. Donc on va y aller doucement. On tue le plus possible avant qu'on se fasse repérer. Oh la vache! Faut se mettre à l'abri. Il y a un truc à ma droite. Désolé, j'ai glissé. Oh la vache, le fait de... arrêter de viser, de taper, j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. Suivant. Cool. Dégage. J'ai pas le temps. Ouais, non, c'est juste un coup à prendre, je pense. C'est vraiment un coup à prendre. Ouais. Je sais pas qui c'est qui me tire de là-haut. Go go go. Désolé, j'ai glissé. Ok, on est grave plein, c'est ouf. On est grave plein. Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière après? Le marchand, il est là. On peut peut-être dévaliser tout ça, puis après on revient en arrière. Mais je suis grave plein de ouf. Faire des munitions de fusil à pompe. Bon, j'ai l'impression que ce serait du gâchis en fait. Ouais. On va d'abord tuer le reste. Oh, attends, il est où le mec qui me balançait des trucs là? Ah, il est là. Je crois que le carreau... Me dis pas qu'on est empoisonné. Je crois que le carreau tombe. Attends, elle est où la machine là? Un snake là, tu vas te calmer. Chier quoi. C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. J'ai peur que les objets disparaissent. Je sais pas si les objets peuvent disparaître. Bon, on va renvoyer des objets parce que là... Ah oui, on va renvoyer des objets et on va revenir en arrière. Voyez au coffre. Et on va revenir en arrière pour aller les récupérer. Ouais, je crois que c'est le mieux à faire. Oh. Et on réparera aussi notre couteau. Ah, on a super bien fait. Je pense que c'était une des meilleures idées de... Je vais voir un peu. Ah, mais j'en ai... Mais il était pas mort. Enfin, bref. Je pense que c'était une des meilleures idées de d'augmenter la durabilité du couteau. Mais ouais, faut que je m'habitue de... Ouais, il est assez rapide. Je pense qu'on peut parer assez rapidement au final. C'est juste moi, j'ai l'impression qu'il faut attendre que Léon bouge. Ah, voilà. Ok, on a deux. Ça fait quoi, ça? Poisson d'eau douce, aussi appelé Ashigan à grande bouche. Doux et nutritif. Il permet de regagner de la vie. Je vais voir un peu combien. Ah, mais j'ai... Okay. Il y a encore des ennemis, je crois. Content qu'on ait poignardé l'autre parce que du coup ça nous apprend, donc on peut vraiment même poignarder les trucs qui sont un peu gros quoi. Okay, on a à droite et à gauche. Merde. J'aurais dû faire le tour avant. Genre tuer tout le monde parce que là s'ils sont pas alertés. J'ai déjà tiré de toute façon. Ok, il est juste là à gauche. Oh merde. Oh merde. Dégage. Les environnements sont top, hein, sont vraiment top. J'aime beaucoup. On peut monter? Sérieux, Léon? Oh là là. Par contre, je sais pas où est l'explosif, ça me stresse un peu. Il doit être à droite. Ouais, il est à droite. Là c'est plein. On envoie le quart. Ça nous fera de la place. On peut envoyer ça. Ah, nickel. Un au moins. Mais un ou deux. Un seul. Sé que estás ahí.
peux lui foncer dessus ou pas? Ok, très bien. On peut. On peut lui foncer dessus comme ça, donc on n'a pas besoin d'être tout le temps à terre, quoi. Bon, toi, tu me fais chier. Arrête de... Putain de saloperie. C'est bon. On nous en fait 3. Je crois qu'il nous en manquait plus que 2, en fait. Encore une. Yes, petit fait. Ce genre de jeu survival horror et tout, de ce système-là, j'adore. Il est tout bête, ce système. C'est... Il est très efficace, en fait. C'est tout con. Genre là, on réinvente rien du tout, hein, ce système-là. Mais il y a très peu de jeux qui le font très bien, en fait, au final. C'est ça qui est triste. Pourtant, c'est pas, honnêtement, c'est pas trop compliqué. Juste, faut juste un peu... Faut prendre le temps de réfléchir et de savoir ce que les gens aiment. Genre là, ça rajoute de la longévité. Ok, là, c'est pour sûrement revenir en arrière. Ça rajoute de la longévité au jeu. Ça rajoute le fait d'avoir plein de petites de quêtes secondaires et tout ça à faire. C'est vraiment top, quoi. Ah, du coup ça va remettre pas mal de vie. Ça, il faut le garder. Faut absolument les garder. Les œufs. Ferme le bateau. Ça devrait me servir. Ok, maintenant on fait voir un peu la carte. Parce qu'on a loupé les trucs. Ouais, alors, fais voir. Mission là, ça. Ouais, un truc que je voudrais. Attendez, on va prendre l'échelle juste au cas où. Comme ça on aura une meilleure vue. Faudrait la question que j'aurais à la limite là, c'est est-ce que si par exemple on laisse des objets par terre et qu'on va loin, genre là si je reviens au marchand, est-ce que... Merde, il y a des gens. Oh putain, il y a des nouvelles personnes. Est-ce que les gens, les objets resteront? Oh, tout ça. Est-ce qu'on peut leur tomber dessus? Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait une attaque. Je crois qu'ils peuvent monter que par la gauche. Faut s'occuper d'elle. Go. Léon! Oh mon dieu, Léon! Putain! J'aime beaucoup l'arbalète, elle est vraiment cool. Gameplay et tout ça. Putain. On a un autre couteau. Okay. Est-ce que je peux utiliser les couteaux que j'ai abîmés par contre pour faire genre des carreaux par exemple? Ça serait une bonne question. Carreau x2.
Qu'est-ce qu'on fait? On utilise un. Ouais, c'est vrai que de... On utilise... Yes, ça m'a utilisé le celui-là qui était abîmé. Nickel. Nickel, nickel. Ça doit être automatiquement... checker si c'est celui-là qui est abîmé ou pas. Enfin, celui-là qui est abîmé, il passe en premier, je pense. Gauche, il me faut un médaillon. Il y a un coffre là. Ah, en dessous peut-être. Ouais. Il est à droite le médaillon. Rien que le fait aussi de... De pas perdre la durabilité du couteau quand on fait des objets comme ça. Ça c'est vachement bien parce que en fait ça pénaliserait pour strictement rien. Ça serait complètement con. C'est des petits détails comme ça en fait qui rendent le gameplay super agréable. Genre si ça utilisait de la durabilité d'un couteau, juste de taper des médailles, ça serait tellement débile. C'est les couteaux, c'est là pour le combat quoi. Pas besoin de... qu'ils s'abîment pour quoi que ce soit, oui. Enfin pour tout et n'importe quoi plutôt. Ça. Pouvoir envoyer les objets aussi. Ouais, là, y a... Pouvoir envoyer les objets, enfin les armes au coffre aussi de loin là, ça c'est vachement bien. Non. Ah, ce bruit, je crois que c'est. Oui, voilà, c'est là. Attends, là il y a quoi? Il doit peut-être en dessous le serpent. Par là. Une pipe ancienne. Mon inventaire. Mais encore deux places. On pourrait prendre un truc qui se balade, histoire de faire de l'argent. Vous savez quoi, je vais changer un truc des options. Parce que je vais énormément dans la carte. Je la trouve extrêmement utile. Normalement c'est V, on va changer ça vite. Voir la carte. On va mettre ça dans A. Enfin, je peux le mettre en... Ouais, parce que le demi-tour rapide, honnêtement, c'est pas vraiment un truc que je vais utiliser souvent. On peut faire ça. Tac. Attends, tu fais conflit avec quoi, là? Changer d'onglet. Oh, mais t'es sérieux? Ça prend en compte ça? Mais c'est dans le menu, ça. Ouais, il va pas le voir. Ah, ça par contre, ça m'embête. Hein, que le jeu ait une protection comme ça de vérification des touches. Enfin, en plus, c'est différent parce que c'est dans le menu. C'est pas à l'extérieur du menu. Moi, la carte, c'est à l'extérieur du menu. Oh, mais ah, putain, c'est quoi? Ah, le jeu. Ah, ça par contre, ça c'est... Ouais, voilà, d'accord. Faudrait que je change tout, en fait, à chaque fois. Ah!
c'est pas grave. On avance. Bon, on retourne au marchand. Ah! Attendez, nous on vient. C'est quoi ça? Oui, ça c'est le marchand, ok. Je vais poser l'hexagone là qu'on a récupéré. Je vais voir s'il en faut vraiment un autre ou pas. Ou alors est-ce que ça suffit ça? Faut vraiment un autre, ça marche. Par contre, ça, je crois qu'il n'était pas. Il n'était pas affiché sur. Ah non, si, il était affiché sur comme trésor sur la map. Je crois. Bon, ça va. Petit hôtel. T'es toujours fatigué, hein. Tu t'es... occupé d'une roquette, n'est-ce pas? Je savais que je pouvais compter sur toi. Qu'est-ce que je peux faire Spinel, pour toi? On a aussi ça à vendre. 4. Donc ça, c'est juste pour... Les richesses que tu amasses te serviront. Ah, peut être utilisé pour regagner de la vie. Intéressant, ça aussi on peut. Et on fait voir les poissons. 800 là. J'étais sûr que je pouvais te faire confiance. Bon travail. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Alors, on peut économiser pour le viseur laser, même. Comment? Si c'est pas... Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Un couteau a besoin qu'on s'en... Essaie d'y faire attention, d'accord? Qu'est-ce qu'on vend? Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre... Une pipe à la qualité de fabrication exceptionnelle. Okay. Il nous faudrait un troisième rubis rouge. Celui-là, je vais le garder pour le moment, parce qu'on n'a pas trop besoin d'argent de toute façon. Les munitions, on en a pas mal de pistolets, c'est vrai qu'on pourrait les vendre. Ou à la limite, on vend... Je vais voir déjà. Une affaire bien complète. Ok, 17 000. Vipère à point. 2 sur 3. Ok, donc ça, c'est pour regagner de la vie. Je vais voir. Putain, ça regagne beaucoup de vie en plus. Je vais être honnête, c'est pas mal. C'est le bordel, notre inventaire. C'est quand même... Enfin, faut faire des choix à chaque fois. Par rapport aux objets qu'on garde. Hein. Faut vraiment faire des choix tout le temps. Parce que vu qu'on peut pas déposer les munitions et tout, ça change la donne. Ça change beaucoup la donne. Et bonne route, bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? J'achète tout et n'importe quoi. Je dirais on peut vendre 2 sprays. Et on garde les poissons. Parce que de toute façon notre vie elle est tellement... Elle est pas assez grande pour justifier l'utilisation d'un spray. Mais bon, après on a besoin quand même de vie. Hein, parce que... Merci.
Alors, 15 000 pour le pistolet, rechargement... Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Tiens, vois ce que ça donne. Je vais prendre ça parce qu'on recharge. Quelqu'un comme toi devrait tout... Reviens quand tu veux. On en recharge deux à la fois. Ça, c'est les soins. C'est vrai qu'après, les poissons, ils prennent de la place. Les poissons prennent un peu de place, c'est vrai. Je me sens un peu nu sans mon fusil à pompe. Je crois qu'on va vendre les poissons. C'est vrai que les poissons, c'est 3-4. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'avais pas vraiment fait attention à ça. Les richesses que tu amasses te serviront à rien. Eh bien... On a assez pour le fusil à pompe, là, je crois. Va pas te faire tuer, hein ? Non, il nous faut encore de la place. Putain. C'est... T'es sérieux là ? Il me manque encore quoi ? Ah, sûrement encore une case. Oh ! Bienvenue. Trésor ou bat pas mal. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Je sais. Eh bien, elle va pas te faire tuer. Attends. Ok. Alors. Les carreaux, c'est facile à faire. Ouh, c'est x4 maintenant. Les carreaux, c'est facile Bienvenue. À faire. Alors, ce qu'on va faire, en on va en vendre 5. Être utile. Surtout qu'ils reviennent souvent. Donc, comme ça, on sera pas plein. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Il faut qu'on se limite en munitions, en fait. Comme ça, ça nous permet de pas être plein. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Très bien. Ouais, on va devoir se limiter en munitions. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Tout simplement. Est-ce que je reviens quand tu veux, surtout. Ça nous évitera d'avoir trop d'objets, en fait. Ouais, du surplus. Je vais prendre des munitions, très bien. Munitions pistolet à gauche. Voilà. Là on a des munitions, on a de la place. Bon, on n'a pas beaucoup de place, mais on a des trucs. Ça, on le met. Ça, à la limite, c'est vrai qu'on pourrait peut-être à la limite l'enlever. Le x2 là. Le zoom. Peut-être qu'on n'a pas trop besoin. Voir. Mais j'ai peur ouais qu'on soit un peu plein, je sais pas.
On va être obligé de faire ça. C'est un peu comme ce que je faisais moi quand je jouais au Resident Evil en général, enfin en tout cas ceux qui ont un coffre. C'est genre j'ai le fusil à pompe par exemple qui est chargé, mais je prends pas de cartouche en plus. Par contre je prends pistolet et munitions de pistolet. Mais le fusil à pompe je garde juste le fusil à pompe avec les cartouches qui est à l'intérieur sans jamais en prendre de supplément. Et si j'en ai en supplément, je les mets dans le coffre en fait. Simplement, pour éviter d'être trop plein en fait dans l'inventaire. Mais là, bah, on est obligé de faire genre un stack de chaque munition, je dirais, maximum. Parce que sinon, on va être dans la merde niveau inventaire, vu qu'on peut pas les déposer. Bon, on va être obligé de passer par là. Sans déconner. Ah, il y a des harpons. Tu aurais dû rester au bord de l'eau, honnêtement, Léon. Enfin, au bord du rivage, plutôt. Pas aller en plein milieu. Ah, ça tue. C'est quoi? Ah, pour aller droite gauche. Okay. Oh, oh mon Dieu. J'aime bien parce que... Oh mon Dieu, il est où? Dans... C'est un peu goofy, j'ai envie de dire. C'est un peu ce gros monstre tout, c'est un peu débile en fait. Enfin pas débile, mais genre c'est pas vraiment le côté sérieux qu'ils veulent. Mais le 4 était un peu tout et n'importe quoi aussi. Est-ce que je dois m'avaler, hein? Ah, on peut rester appuyé aussi, d'accord. Ok, bien. Nickel. Mais genre dans le 2 par exemple, le truc le moins crédible, oh la vache, c'était le crocodile géant. Mais dans le remake ils l'ont quand même mis, et ils l'ont bien mis honnêtement, c'était plutôt cool. Même s'il dure pas très longtemps, que c'est pas un vrai combat quoi. Ouh. Merde, ok ça va. Ah, et le bateau il a une durabilité. Mais là, du coup, je suis content qu'ils aient mis ce truc géant, quoi. Et honnêtement, le combat est sympa. Enfin, il est bien mis, quoi. Il est bien fait. Et si on reste appuyé, ça va de plus en plus loin, en fait. Où est-ce que t'es ? Oh. Ok, très bien. Je crois qu'il lui faut balancer une... Enfin, faut le balancer une fois dans la bouche et ça va. Oh, mon Dieu. Balèze, t'enfoiré. Ah, j'avoue. Ouh, je vois rien du tout. Ah, le bateau. Ouh, là, on l'a bien mis dans la bouche. Mais il est méga résistant, le machin. Ouais, je suis mal tombé, là. Ouh, le bateau, il a pris cher.
Ah, c'est intense, hein. J'imagine que si le bateau éclate, on est mort. Parce que vu qu'il n'y a pas de... Oh, on l'a eu. Vu qu'il n'y a pas de QTE dans celui-là. Parce que dans l'original, quand il tombait à l'eau, on devait faire un QTE aller pour nager et tout. C'était super chiant. C'est pour ça qu'honnêtement, je suis pas très fan de l'original, du cadre de l'original. Mais là, c'est cool. Ah, ils l'ont bien changé, le combat. Honnêtement, ils l'ont bien fait. Ah, c'est l'infection. Putain, le virus. Ah, top, hein. Top, le combat est vraiment cool. Le combat est super bien. Ils l'ont bien changé. J'apprécie énormément ce qu'ils ont fait. Il est pas trop... Enfin, honnêtement, je l'aimais pas dans l'original. Je l'aimais vraiment pas. Mais là, ouais, là, il est cool. Il est vraiment sympa. Non, c'est bien débrouillé. Hein. Machine à crédit. Moi, je sais plus le nom de l'autre. Du grand mec au grand, avec le chapeau et tout ça, mais je veux encore l'entendre parler. Agneau sacrificieux, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. À l'aube, tu rejoindras toi aussi notre culte. Tu profiteras de ma sainte bénédiction pour toujours. Et c'est bien ce que j'avais... Oh. Condor 1 à Perchoir. Tu me reçois ? Condor 1 ? Ça fait 3 heures que je suis sans nouvelles. Tout va bien ? Ouais, ça va. Ça se reproduira plus. Et l'église ? Je cherche toujours la clé dont j'ai besoin. Reçu. Contente que t'ailles bien. Terminé. Mais écoute, j'aime bien comme elle apparaît dans l'écran. C'est marrant. Chapitre 4. Ok, genre... Qu'est-ce qui se passe? Trouver la clé de l'église, ok. Parce que j'avais peur qu'on... Vu qu'on a l'inventaire qui est complètement plein, j'avais peur qu'on puisse pas... Ouh, ça remet toute la vie. Qu'on puisse pas tout récupérer, parce qu'il y avait des objets sur l'eau et tout. Mais en fait, ça sera sûrement pour plus tard, il y a sûrement un autre bateau. Gare à bateau, clé de l'église... Ah! Bateau. C'est parti. Il y a du monde. C'est quoi ça? Ah, c'est la casquette du policier. Document obtenu. Ça sert à quelque chose vraiment à regarder les documents. Pas. Ça c'est les trucs qu'on récupère. Ouais, non, ça c'est ce qu'on a, les objets. Enfin les objets, les prospectus en fait. Okay. Ouais. On a fait toutes nos requêtes, on n'a pas de nouvelles. Okay. J'ai les couteaux jetables pour le moment qui sont équipés. Comme ça on n'abîme pas le nôtre. Alors je sais que ça fait des carreaux, mais les carreaux on en a pas mal. Ça. Putain, pas dans la nuit. Ah, il commence vraiment à faire nuit en fait. Ouais. Ah, il commence vraiment à faire nuit. J'aime bien parce que ça fait vraiment... Genre le temps passe et tout ça. Ah,
doit être derrière la structure, enfin la montagne. À pompe et tout, ouais, on est bon. C'est bon, on n'a pas de verte. Ah putain, déjà. Mission pour pistolet. On peut faire des missions pour pistolet, ça virerait un des trucs bleus. Vision est vachement limitée, je trouve. C'est quoi ça? Ah, je sais ce que c'est. Ouais. Non, t'es sérieux? Il m'a défoncé la gueule. Qu'est-ce qu'il est rapide? Ah, putain. Agarradlo. Alors là, le fusil à pompe, ça va être notre sauveur. Après, je crois que les flashs... Je m'en rappelle plus exactement. Mais je crois que les flashbangs, ça peut les défoncer. Les trucs, ça les one-shot, je crois. Il avait les yeux rouges, le deuxième. Je crois que quand ils ont les yeux rouges, ça va être des créatures. Mon Dieu. Il nous faut du pouvoir d'arrêt, hein, puissance d'arrêt. Hein, donc fusil à pompe. Pour le moment. C'est quoi cet endroit? Une grotte, Léon. On dirait une sorte de sanctuaire. Ok, bon, j'avoue, t'as raison. Le même symbole qu'à l'église. Ah, ok. D'accord, les mains tiennent la roue qu'il me faut, en fait. Et il faut deux objets, ça marche. Il y a beaucoup plus de puzzles dans celui-là, je trouve, aussi. Ils se sont bien allés hein, pour les puzzles. C'est le lac. Ouais, ça c'est la créature qu'on a tuée. J'aime beaucoup les dessins. Ok. Donc là. Lieu indiqué par la peinture. Putain, ça tue. On voit tout plein de trucs. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Examiner les deux endroits, ça marche. Attends, j'en ai vu qu'un seul endroit. Moi. Lieu indiqué par la peinture. Ok, il y a un deuxième. Ok, il y a tout ça à faire en plus là. Peut-être que avec une balle de car, on peut les one shot les créatures, les tentacules. Clé des petits hôtels. Ah, c'est cette clé qu'il me fallait, je crois.
Alors, œuf de poule dorée, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, il y a parfois des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, n'est-ce pas? Vendre un œuf de poule dorée, non spécifié. Je sais pas comment on en récupère honnêtement. Je sais pas si c'est juste pas genre le hasard, quoi. Ah, il y a des harpons. Ah! On peut reculer aussi. Ouais. Ah, ça tue, ça tue. Ouais, arrête-toi, arrête-toi. Ah, par contre, la vue, elle est horrible. Ouh la vache. Ok, elle est horrible la vue. Je peux pas la tourner en fait. Si je fais ça. Ouais, non, la vue, je vois pas pourquoi elle est bloquée. Pourquoi ils ont bloqué la vue? Pourquoi je peux pas bouger droite-gauche? C'est débile. Okay. Ah, c'est le marchand. Okay. Oh, l'hôtel. Attends. Non, c'est une petite clé, je crois. Mais j'en ai une. C'est débile, la vue. Je peux pas la tourner droite-gauche. Je sais pas pourquoi. Très glissé. Ok. Ah, on va peut-être avoir une remise, là. Nouveau chapitre. J'ai reçu quelques nouveautés qui doivent... Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. On se requête. Offre spéciale. Ma marchandise est en parfait état. Offre limitée moins 20%. Ça marche. Lance requête en un coup doté d'une puissance dévastatrice. Ça, je sais. Alors, j'ai pas assez de connaissances, honnêtement, pour R4, mais je sais qu'il y a des endroits où c'était super utile d'utiliser un lance-roquette parce que ça pouvait one-shotter un boss, et l'argent que vous mettiez dans le lance-roquette vous le récupériez en drop de boss en fait, je sais. Donc il y a des endroits comme ça à connaître, mais personnellement je sais pas, je connais pas. Alors, le masque élégant, la lunette longue distance. Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Manette noire métallisée fait apparaître de la ferraille G plus souvent. Ça, c'est pas mal. J'imagine que la taille, c'est la même, par contre. Mais ça peut être intéressant. J'aime bien, ouais, longue distance. Mais bon, enfin, de 3 niveaux de grossissement. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon bah vu que c'est nouveau, je dirais bien de prendre la mallette. Après la crosse de TMP, une fois équipée, elle réduit le recul et améliore la précision. Ouais, mais je l'utilise pas de toute façon. Alors, ça, objet destiné à la vente. J'achète tout et n'importe quoi. Merci. Le savoir est une arme. Ne l'oublie jamais. Changer de mallette, vous pouvez changer la mallette via au menu mallette. Oh, je savais que tu choisirais ça. Elle va pas te faire tuer, hein. Alors, j'imagine que la mallette c'est exactement la même. Oui, c'est la même. Ah ouais, le skin change. C'est marrant. C'est marrant. Donc là, on a taux d'apparition des ferrailles, des grandes ferrailles. Ça va être mieux, je pense. Ça va être plus utile. Mine adhésive. Des explosifs pouvant être attachés à des carreaux avec G au moment de viser avec le lance-carreau. Il se déclenche lorsqu'un ennemi est à proximité. Ouais, ça peut être utile. En fait, c'est parce que j'ai trop de... d'objets. Oh putain, je sais pas quoi. Je sais pas quoi virer en fait. C'est ça qui m'embête surtout. Je sais pas quoi virer. Bienvenue. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau?
Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Est-ce qu'on peut mettre deux fois non, le même emblème? Ça, c'est un truc que j'ai pas testé. À droite. Non, on peut pas, ok. Donc ça sert à rien d'en avoir deux pareils. Donc ça, on est certain de pouvoir le vendre. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Je voudrais augmenter la puissance. Alors, si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. À la limite, la capacité pour avoir, pour transporter moins de munitions sur moi, en fait. Ça pourrait vraiment nous aider. Et voilà. Comme reviens quand tu veux, surtout. Ah, très bien. Ça aide. Ça aide. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Je voudrais peut-être de la une capacité. Une arme modifiée permet de compenser 7000. Un manque de compétences. Mec, tu parles grave trop. Tu vas me rendre fou, sérieux. Honnêtement, il faut vraiment qu'ils arrêtent de le faire parler autant. Ça. 3 rubis rouges. Ça me fait un peu chier. Non, on va perdre de l'argent en fait si je le vends maintenant. Oh, on va pas perdre beaucoup, ça va. Les bienvenus. Parce que du coup, si on le vend, je pourrais faire une autre amélioration. Ça nous ferait quoi, 18K? On pourrait faire la capacité de... Les armes sont entre de bonnes mains. De l'arbalète et du car déjà, ça serait pas mal. Merci. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. 5000 rechargements, accélérer le rechargement, c'est pas très très important pour le moment. J'ai fait bonne route. Nickel. N'oublie pas. Mine adhésive. J'en fais, c'est vraiment pour tester. Parce que je suis curieux en fait. Ok, donc ça en fait 4. Ah, ça se stack pas automatiquement, faut pas faire. Car ma feu rime avec jeu, étranger. Ah, l'inventaire, on passe un bon moment dedans. Hein. Ah, ok, il vise comme ça. D'accord. Ça marche. Ouais, là on voit que c'est chargé, ok. Vraiment cool. Allez, on a 4 emplacements. Ouais, du coup, on passe vraiment un bon moment dans l'inventaire à cause de ça. À cause du fait que... Bah, c'est pas vraiment un coffre comme avant. On peut pas tout mettre. Ah, il pleut. Quoi, t'aimes pas la pluie, Léon? De pavillon. Ah, me dis pas qu'il faut un rouge. Ah non, c'est 3 ornements, ok. Le lampe vert dépoli orné d'or. Il y a 3 renfoncements ronds sur le côté. Ouais, il nous faudrait à la limite 3 rouges.
portail de l'église. Tiroir verrouillé. Là aussi, il y a des trucs. Ça, c'est la carrière. On va retourner sur le... sur la rivière. On va se balader un peu. Non, je le sens. Par contre, le fait de pas pouvoir bouger, c'est un peu relou. Indiquer, il faut que j'aille là en fait. C'est la prochaine. Ah, c'est juste là. C'est du tour. Ouais, non, je peux pas. Je suis bloqué. Ma vue est bloquée. Très très chiant. Ok, on va faire le tour. J'imagine que ça c'est un raccourci. Non. Alors. Il n'a pas les yeux rouges. Je me demande... Ah oui, tiens, un truc qu'il faudra tester, c'est si jamais on voit certains avec des yeux rouges, on les poignarde, voir si ça les tue instantanément ou pas. Léon, ta lampe, elle est vraiment pas discrète quand même. Il y a deux mecs. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait... On a des flashs. On a quatre grenades. J'ai envie de tester les grenades, les mines explosives, voir comment ça fonctionne. Oh, il a... Non, attends. Putain, ça tue ! Vache ! Il a été coupé en deux. Enfin, il a les yeux rouges. Ils ont peut-être tous les yeux rouges, en fait. Maintenant que j'y pense. Mais bon. On a vu que c'était puissant. Ben. Oh,
Faudrait revoir s'ils ont tous les yeux rouges et après on utilise des carreaux explosifs en fait sur tout ce qui a yeux rouges en fait. Vache. Les yeux rouges, toi ? Non. Tu vas ramener ta gueule ? Oh merde. Go, passe. Suivant. Ok, cool. Bien joué. Du monde en bas. Explosif. Il balance méga loin. Cours, putain. Ah, brûle. Et toi, t'es un rouge, toi. Ça a pas fait de dégâts, je crois, hein, le feu, là. Ça l'a repoussé, par contre. Chaque combat est un challenge. Hein. Chaque combat, c'est un challenge. Hein. C'est pas simple. Honnêtement. Chaque combat est un bon challenge. Il y a de la réaction, mais il y a surtout de la stratégie. Je crois qu'on aurait pu faire tomber ça pour les brûler. Ok, très bien. On va remonter. On aurait pu faire des petites économies de munitions. Est-ce que je peux faire du... faire des mines par contre. 5. Je sais pas ce qu'il faut faire.
Ouais, on est bon. On a tout eu. Je suis content. C'est bien passé. C'était un bon challenge. Alors, c'est quoi ces dessins là? C'est pour indiquer que il y a une partie du médaillon là qu'il nous faut. Et du coup, c'est quoi ça? Ou alors, il faut regarder les dessins. Ah oui, il faut regarder les dessins. Donc attends, t'as un truc. Ça. Oh, putain, attends, ça reste pas. Ok, t'as celui-là au bas. Au bas. Putain, deux machins opposés. Au bas, deux machins opposés. Pareil. Alors. C'est un peu la merde pour. Ah la vache! Ça. Non. Putain, mais. Ah faux! Faire en biais. Tu te fous de ma gueule? Ah, je peux le faire avec la molette, ok, ça marche. Très bizarre. Ça. 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 Ouais, c'était un peu étrange la façon, le maniement en fait. Tête d'apostate. Ah, ok. C'est pas de bon goût ça. Merde, y'a un code. Puedo caminar? Est-ce qu'ils vont venir là ou pas? Nickel. Nickel. Reste un. C'est une torche ou une bouteille de... Ah, plutôt cabron, c'est toi plutôt. Moi je suis un touriste hein. Encore eh merde. Saloperie. Chier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On teste. On teste ça. Je l'ai tué ou pas? Ouais, une balle suffit pas. Bien joué. Bien bien joué. Content, c'est super bien passé. Et merde. Oh là là, la galère quand t'as loupé un truc. Où est-ce qu'on est là?
Aspect splendide. Ah, c'est l'objet qu'on avait fait tomber, je crois. Avec Sandrine. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le truc qui était tout en haut. Là, qui était, qu'on a fait tomber, genre... le chapitre d'avant. Sympa. Je me demande si on va se faire attaquer en bateau, parce que si on peut balancer des harpons, c'est bien pour une raison quand même. Piédestal en pierre. Piédestal en pierre ? C'est quoi ça ? Piédestal en pierre. Ah oui, avec l'hexagone. Ok, ok. Alors, faut voir un peu. Là, on a encore ça, 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 ça. Nickel. Nous, c'est marrant parce qu'on a vraiment plus d'herbe verte. À un moment, on en avait plein. Non, on en a plus. Alors, on a une des têtes. Il nous faudrait une deuxième tête. Là, il y a un trésor. Trésor. Et après, il faut aller là pour la peinture. Donc, sûrement là. Habitation lacustre. Après, on a un sort de château ici aussi. Ça, c'est la place du village. Ça marche. Putain, on a plein de trucs à faire, ça tue. Ah, j'avais pas vu T et G pour les étages. Ah, cool. Putain, ça tue. Oh là là, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Vraiment, vraiment. Ok, let's go. On va voir le centre. Apparemment, il y aurait des objets. Il y a des créatures dans l'eau ou pas? Pourquoi tu... Il y a un truc un peu bizarre, parce que des fois il tire une deuxième alors que j'ai rien demandé. Faudrait un peu peaufiner le gameplay bateau en fait. Ah, c'est là. Waouh, il y a eu une coupure de son et tout quoi. Bizarre. Attends, il y a un trésor à ma droite. On peut pas monter ? Ah oui. Oh. Oh. Le Red 9, je crois que c'est une très bonne arme. Ah merde. Ah. Ah si, c'est bon. Non. Pistolet puissant, le chiffre 9 est gravé en rouge sur la poignée pour éviter que l'on se trompe de munitions. Au pire, je peux... Je sais pas ce qu'il vaut le pistolet, donc je vais pas l'utiliser. Examiner, je vois un peu. Ah, je me demande si on peut envoyer directement au coffre en fait quand on trouve les objets. Ça, faudra tester. Alors, le pistolet puissant. Précision 3. Compatible avec la Cross Red 9. Ah oui, il y a un 9 dessus. 1,50, il y a 8 balles dedans, qui est bien.
Je peux le comparer ou pas? Non. Pas directement, je veux dire. Genre indice là. Ouais, mais nous on a des balles qui perforent. Honnêtement, si c'est comme l'original, on va tomber sur des machins qui ont des boucliers et tout. Donc honnêtement, moi je veux m'accrocher au Punisher pour le moment. Après, bon, oui, on est à indice, on est déjà niveau 2. Et alors que lui, il est à 1,50 déjà au niveau 1. Donc oui, c'est vrai qu'il va faire beaucoup plus mal. Mais je vais être honnête, le 5-7, je l'aime bien là. Ah, celui-là, là, le Punisher. Donc, ouais. Ça prend les balles. Oui, oui, ça prend les 9 minutes. Ouais, après, faudra voir avec la crosse si c'est vachement bien. Ce qu'on peut faire, c'est le vider, à la limite. Si on combat vite fait, si on combat des trucs, on pourrait le vider. Vous savez aussi un truc que j'aime beaucoup dans ces jeux comme ça, avec God of War, le 1 et le 2, là, de la nouvelle génération. Il le fait aussi très, très, mais alors extrêmement bien. C'est tout ce qui est secondaire et secret, en fait. C'est pas des vrais secrets où il faut vraiment, comment dire, genre tourner en rond pendant 7 ans. C'est sur la carte, en fait. C'est des choses à accomplir. C'est plus des choses à accomplir que des secrets. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben... Resident Evil 4, elle le fait exactement la même chose, c'est vachement bien. Après, je suis sûr qu'il y a des petits secrets, des easter eggs et tout ça, mais là, toutes les choses importantes, on les voit sur la carte. Après, livre à vous d'y aller vous-même et de, bah, de combattre pour aller les récupérer, quoi. Mais c'est pas des trucs obscurs, voilà. Quand c'est obscur, moi j'aime pas du tout, je trouve ça très très con quand c'est des choses très obscures. Oh! L'œuf en or. Yes! On l'a trouvé. Vous croyez que les poules, elles font des œufs? Genre, de temps en temps, genre on n'a pas besoin de les tuer. Genre on peut revenir ici pour reprendre du soin. Donc, œuf doré d'une grande valeur peut être usé pour regagner une grande quantité de vie. Ouais, parce que honnêtement, les soins en par les œufs, moi je dis pas non. On a déjà ça. Hangar à bateau, là non. Alors, fais voir ça là-bas, là. Ah, c'est pour aller au château. Ah non. Ah si. Par contre, je voudrais bien tomber sur le marchand. Pas le sniper, faudra faire attention. Ok, il y a la tête qui est là. Ça marche. On a le même système encore avec des insignes. Ah, ils sont là. Ok, ils sont. Okay, je vais juste refaire un petit tour. Jamais il y a des objets en plus. Je vais voir un peu la carte. Non, la carte ne dit rien. Ok, ça marche. Alors, je vois qu'un insigne là, ça doit être tout autour. Honnêtement, je dirais pas non pour de la lumière. Ouh, c'est peut-être dans la grotte, dans le tunnel. Ah, là. Ça fait 2. Là, ça fait 3. Ok, donc c'est 3 ondes. Là, c'est l'eau. En fait, c'est verso. 3 ondes. Un 3 à l'envers. Et un truc en bas. Oh là là. Je vais prendre des photos, je crois.
ça doit être celui-là du coup. Voilà. Je m'étais trompé. Oh, grande ferraille, yes. Nickel. Ah, c'est maintenant qu'on tombe sur un rubis. Ah oui, là il y a le symbole en entier. Et là aussi, c'est là qu'il y a le symbole en entier. J'aime bien qu'ils vous le mettent après, genre bravo, vous auriez pu voir tout le truc en entier, pas comme ça. Okay. Alors nickel, on a une grande ferraille, ce qui est bien. Nous permet de faire pas mal de choses. On peut faire ça. Ah, attends. Si j'équipe celui-là. Parce que la dernière fois, je crois que j'avais le cassé équipé. Ou alors c'est. Fais voir si je. Ok, non, il prend celui-là qui est abîmé. Ça va, c'est cool. Allez, cassos. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est... On va aller là. On peut mettre des marqueurs ou pas? Non, hein, je pense pas. Non. Ça aurait été bien. On va d'abord utiliser l'hexagone. Puis on va aller au marchand. On va pouvoir s'arrêter là aussi, je crois. Faudrait que tu sprintes un peu plus hein, quand même. Hein. Ça marche. Oh là là. Et ça c'est pour le centre. Attends, on peut déplacer que c'est. Okay. Pas entre les deux, ça marche. Et c'est le moment où je me mets une note et je dis on va couper à ce moment-là. on reviendra quand j'aurai trouvé la solution. Voilà. Yes, let's go. Bah au final c'était pas très long, une minute. Idole corrompue. Ouais, ça m'a pris qu'une minute. Bah du coup je couperai même pas en fait. On est bon. Fausse alerte.
Alors, une statue sinistre faite d'or pur, objet destiné à être vendu 15K. La vache. Et ça, c'est quoi? Boss splendide, lourd, en richesse décorée, il y a deux renforcements rectangulaires. Ah! Okay. Ouais. Enfin, rectangulaire. Ah, mais, c'est, mais les couleurs, c'est pareil, en fait. Donc, deux emplacements. Il nous faudrait ça, 2x2. Ouais, pour le mieux, ouais. Ce serait 1.2 duo rouge. Donc, il nous faudrait du... des trucs rectangulaires. Des pierres rectangulaires rouges. Ça marche. Il était où le marchand? Ah, on peut déjà récupérer peut-être ça en fait, l'objet. Ça, on est loin du marchand. Attends, c'était où pour aller au marchand? C'était à droite? On peut aller, non? Pourquoi je passe par là, moi? Ouais, non, c'est débile ce que je fais. Je passe par le chemin long, en fait. J'aurais dû aller dans la grotte. Ok, ça va. Je crois qu'il n'y a rien. J'espère que le bateau se téléporte. Hein. Parce qu'il faut peut-être pas exagérer non plus quand même. Ça n'était pas dans l'original hein, de faire un truc comme ça. Un signe de l'église, ok, nickel. Oh. Condor 1 à Perchoir, j'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant, va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1 terminé. Est-ce que vous avez un délire avec les oiseaux, tout ça, du coup, c'est Eglon. Hein. Avec les aigles et tout. Non, t'es sérieux? Oh non, 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 là je proteste, là. J'aime bien le réalisme et tout, tant que c'est dans le thème du jeu, hein, évidemment, parce que réalisme, c'est pas comme si les zombies existaient. Mais là, non. Là, je suis pour le bateau qui se téléporte, hein, comme dans God of War. Dans God of War, peu importe. À quel port on arrivait, le bateau était là, ou alors... genre le 2 c'était avec le traîneau là. Ouais, je suis pour ça quand même. Ah oui. Je me suis perdu. On est bon. Bah après c'est pas grave. Hein. C'est juste un truc comme ça. Le poisson. Oh mon dieu. Et la taille du truc. Basse géant. J'ai pas de place, hein.
Non, c'est 4. Bon, de toute façon, on va aller au marchand. Marchand, il est là. Ouais. Bon, après, c'est que 5 balles, c'est pas grave. Bienvenue! En quoi puis-je t'être utile? Attends, ma... Mon truc, c'est de... requête de... vendre à 9 poules dorées. Citresse, bienvenue! Alors, l'idole, objet vendu... Objet, ouais, destiné à être vendu... 9000, ça tue... Benoît restant à vendre pour la requête pêche au gros. Ah, attends, j'ai pas lu ça. J'étais sûr que je pouvais te faire confiance. Bon, elle... Attends. Pêche au gros. Ah, peut-être qu'on l'a... Pas encore. Pas pour te faire tuer, hein. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais du coup, je peux le vendre en avance ou pas? J'ai l'impression que oui, il y a le symbole. La géante restant à vendre pour la requête. Les richesses que tu amasses te servent parfait. T'es un vrai professionnel. Ah. Ok, on a... Je savais que je pouvais compter sur toi. Est-ce que je peux... Reviens. Pas, on a complété la requête, mais elle était, on n'y avait pas. Hein. Maintenant, on l'a. Quelqu'un pourrait-il m'attraper le poisson gigantesque qui vit dans le lac? L'huile de poisson est de nombreuses, a de nombreuses utilisations après tout. Cet oiseau devrait vous aider à le trouver. Ah ouais, du coup, ouais, il était juste devant. Ça marche. Bah c'est cool. Quand c'est tu cool, veux, c'est cool. Bienvenue. Parce que sinon, imaginez en le vend et qu'il n'y en a qu'un seul en fait dans le jeu. Et que bah oui, bah du coup on J'achète fait quoi après? Tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a 51. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Je serais pas contre augmenter la puissance du fusil à pompe au max. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Ah ouais? Ça veut dire quoi, ça? Les carreaux, j'aime bien. Augmente la puissance et la portée de l'explosion. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose? Ça, ça a deux effets du coup. On peut tirer plus loin et la portée de l'explosion augmente. Donc ça m'intéresse. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Arrête. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Le mec, il parle pas. Par contre, honnêtement, ça donne mal à la tête. Le mec, il fait que parler tout le temps. Genre, mais vraiment tout le temps. Quoi. C'est un peu trop. Genre, c'est prise de tête. C'est vraiment prise de tête. Je vais faire un peu... On va s'arrêter là. Ça va être la fin de notre épisode. Ouais. Est-ce qu'on reprend le car? Le sniper. Je sais pas trop. C'est vrai que ça pompe un peu des emplacements. Et mines adhésives encore. Alors, on a assez de carreaux. Non, on a pas vraiment beaucoup de carreaux en fait.
pourrait faire des carreaux en fait. Ouais, on pourrait faire des carreaux. Il nous faut de la ferraille, de la grosse ferraille. Les cartouches, ça va. Ouais, on va peut-être pas le prendre pour le moment. On va te faire tuer, hein. Ça marche. On va s'arrêter là. Je pense que c'était une très bonne chose. Ça s'est super bien passé. C'est cool. On a du coup maintenant le Red 9. On pourrait... Ouais, on pourrait à la limite ça le prendre juste pour le vider, comme j'ai dit. Parce que c'est 5 balles, mais après de toute façon on peut l'envoyer à la boîte quand on veut. Donc ça c'est un peu l'avantage, comme d'habitude. Donc ça c'est cool. Le poisson, le Black Bass, j'ai envie de le garder parce que ça permet de nous soigner. Du coup ça nous fait quand même pas mal de soins quand on y pense. Genre entre tous les œufs, le poisson, les soins et tout ça là. Puis le prochain qu'on va utiliser de soins, c'est si on trouve une herbe verte. On va utiliser ça, ça augmentera notre vie. Donc c'est important. Donc du coup, ouais, non, tout le soin qu'on a en plus, ça va nous aider. Voilà, très bien. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Je kiffe. Je suis en plein kiff toujours. Ça tue. À la prochaine, ciao ciao.